que voici le résultat des élections. Nombre de votants, 3459. Blanc et nul, 126. Suffrage exprimé, 3333. Liste de Guénalvet, avance avec vous, 1547, soit 46,41%. Cette victoire, que nous prenons cette victoire avec beaucoup, beaucoup d'humilité. Et que nous portons surtout l'espoir d'une autre gouvernance pour la ville d'Avranches et son territoire. Bien évidemment, je formule tous mes remerciements aux électeurs qui nous ont fait confiance, qui ont voté pour la liste Aimons-Avranches. Mais je tiens à dire que je serai le maire de tous les Avranchinais. Ceux qui ont voté pour moi, pour notre liste, et ceux qui ont voté contre. Les électeurs qui ont voté pour nous ont fait le choix du rassemblement et j'aimerais que cela dépasse cette échéance électorale et soit un message important pour l'ensemble des citoyens et que cette volonté de rassembler devienne le quotidien à Avranches pendant les 6 années du mandat qui arrive. J'ai parfaitement conscience de la charge que je vais devoir endosser à partir de la semaine prochaine. De cette responsabilité que je vais porter. Je suis aussi conscient que nous portons à l'échelle du Sud-Manche un message d'espoir. Nous allons pouvoir redistribuer les cartes à l'échelle du territoire. J'aurais aussi dire que M. Vett reste mon député, que je reconnais parfaitement ce mandat et que j'espère travailler en harmonie avec lui à l'avenir. Cette volonté de travail en commun sera bien évidemment pour le bien d'Avranches et de son territoire. Et j'espère que la transition se fera dans la transparence et la sérénité. Mais je n'en doute pas. Donc comme je le disais, c'est un très grand changement pour Avranches et bien au-delà, notamment pour la communauté de communes. Et nous sommes fiers donc de pouvoir compter parmi nous des élus communautaires qui défendront notre projet. Et en effet, un nouveau chantier va s'ouvrir, avec ses 52 communes associées. Et nous espérons que la démarche participative que nous avons adoptée au cours de cette campagne pourra être mise en œuvre à l'échelle de la ville d'Avranches, mais aussi à l'échelle de l'ensemble du territoire. Donc dès ce soir, je lance un appel aux futurs élus communautaires, leur disant que nous voulons travailler avec eux et que nous voulons instaurer une méthode résolument ouverte. À l'échelle d'Avranches, nous avons l'intention aussi d'écouter chacun des citoyens, des concitoyens, en faisant que chacune de ces voix soit à sa juste place. Nous travaillerons non pas pour une majorité, mais en principe, principalement pour les minorités, ce qui nous semble extrêmement important. Les personnes âgées, les personnes en difficulté professionnelle, toutes les personnes en situation de fragilité. Également sera de faire rayonner Avranches à l'échelle du territoire. Nous voulons qu'Avranches soit une locomotive qui entraîne dans son sillage l'ensemble des autres communes sur ce territoire
merveilleux qui compte, comme petit élément géographique, le Mont Saint-Michel. Nous devons absolument faire d'Avranches la capitale du pays du Mont Saint-Michel. Alors je voudrais féliciter ma liste aussi, tous les gens qui ont travaillé au cours de ces longs mois à élaborer le projet, à concevoir la campagne. Je les félicite pour leurs compétences, pour leur professionnalisme. Et je voudrais les rassurer en leur disant que nous ne changerons pas de méthode, nous resterons les mêmes. Et cette rigueur que nous avons adoptée au cours de la campagne, eh bien, elle sera toujours de mise au cours des 6 années qui viennent. Donc les chantiers pour demain sont nombreux. Nous comptons appliquer une grande transparence dans le fonctionnement des conseils municipaux et également dans toutes les décisions à venir que nous prendrons. La ville sera informée régulièrement, la population sera informée régulièrement via le site internet de la ville. Nous avons pu voir que les habitants d'Avranches étaient des internautes fidèles, puisque notre site a été consulté plus de 15 000 fois en 2 mois et demi. Les premiers chantiers qui nous attendent sont cruciaux, très importants. Il y a des attentes très fortes, notamment autour des déchets. Je pense que beaucoup d'Avranchinais attendent que l'on propose des choses concrètes pour résoudre ces problèmes. Nous travaillerons aussi sur les liens entre les quartiers qui sont très cloisonnés. C'est ce que nous a permis de découvrir notre campagne. Nous travaillerons sur ces liens qui sont à restaurer entre les habitants d'Avranches. Et cela ira dans le sens donc, de cette disparition de clivage que nous souhaitons. Nous travaillerons aussi sur des thématiques intergénérationnelles. Nous avons pu aussi constater à quel point les anciens étaient souvent laissés pour compte et n'avaient plus de contact avec les plus jeunes. Donc je serai maire à 100%. Très classe. Je laisserai mon travail de côté, comme je l'ai dit, je ne cumulerai pas d'autres mandats. Donc ça, je le confirme ce soir. Et ce que je voudrais simplement dire, c'est que nous ne ferons rien sans vous. Nous allons vous associer totalement à notre politique. Et nous créerons donc des liens également entre toutes les catégories de la population, entre les élus, les citoyens, les commerçants, les entreprises, les associations, pour que nous puissions créer un vrai développement local. Alors, je vais m'arrêter là, pour ce discours quasi improvisé, et teinté d'émotion, j'imagine que vous vous en doutez. Donc, nous avons prévu un petit buffet à la salle de Noël, vous y êtes tous conviés, si vous vous sentez concernés par cette victoire, j'espère que vous êtes nombreux à l'être. Nous vous invitons à la salle de Noël pour partager un verre et puis manger un morceau. Quoi qu'il en soit, voilà, je vous remercie tous, encore une fois, d'être là, de nous avoir portés, de nous avoir écoutés. Mesdames, Messieurs, un premier mot pour féliciter la liste de David Nicolas de sa victoire. La démocratie a tranché, les urnes ont parlé, je le félicite. Et je lui souhaite bonne chance dans un exercice difficile. Les fonctions de maire sont des fonctions difficiles. Il faut embrasser un certain nombre de sujets, penser toujours à l'intérêt général. Et ce n'est pas toujours simple. Que d'arriver à l'intérêt général. Mais encore une fois, j'adresse mes félicitations à la liste qui a gagné les élections aujourd'hui. Je veux bien entendu remercier les électeurs qui nous ont accordé leur confiance, une confiance insuffisante, il convient de le constater et de le reconnaître. Nous avons mener campagne sur des thèmes qui nous sont chers, sur des thèmes qui, je crois, sont utiles à notre ville, comme ils sont utiles à beaucoup de collectivités locales. Ce sont les thèmes du quotidien. Alors certes, la vie est comme elle est et on ne réussit pas toujours ce que l'on entreprend, ni dans la vie privée, ni dans la vie professionnelle, ni dans la vie publique. Je crois qu'il faut être modeste, il faut être humble. Et puis, merci également aux membres de la liste que j'ai eu le plaisir de conduire. On a fait
la campagne que l'on avait décidé de faire pendant 3 semaines, pendant 1 mois. Ils ont été très présents. Ce sont des femmes et des hommes qui se sont engagés déjà pour la ville d'Avranches. Il y avait des nouveaux aussi qui souhaitaient s'engager pour notre ville. Encore une fois, les urnes ont décidé différemment et nous respectons collectivement le choix des Avranchinais. Et je souhaite plein de bonnes choses à la ville d'Avranches.